Bonjour à tous et merci d'être si nombreux, d'avoir choisi notre conférence. Je vois que le Brain Content a un fort pouvoir de réunion. Sans trop tarder, on va commencer dans le vif du sujet en vous donnant, s'il en fallait, quelques bonnes raisons d'être venu pour parler Brain Content. Et juste ensuite, on se présentera, Marin et moi. Donc, quelques chiffres, on scrollerait environ 150 mètres de contenu par jour. Le temps d'attention qui se réduit de plus en plus au fil des années, des décennies, étant aujourd'hui à environ 8 secondes, donc c'est-à-dire le temps avant qu'on tourne les talons face à un contenu. Et ça, j'interviens là-dessus, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'en fonction du réseau, c'est différent aussi. Une petite anecdote comme ça, quand je prends le métro le matin, je vois les gens qui scrollent sur TikTok. Ils ont vraiment à peine 2 secondes de temps d'attention. Ça fait un peu peur même. C'est un like, ils scrollent, un like, ils scrollent. Donc c'est vraiment une moyenne sur toutes les plateformes. Donc là, il y a vraiment tout qui est englobé. Mais selon les plateformes, ça peut être plus ou moins, quoi. 52 minutes par jour passées en moyenne par internaute sur les réseaux sociaux. Et non moins de 86% des Français qui ont au moins un compte sur les réseaux sociaux. Donc voilà le moment des présentations. Moi, je m'appelle Romane Roy, je suis concepteur-rédacteur à l'agence Tribu, version Lille. Et donc, je suis au pôle stratégie. Mon métier, en quelques mots, c'est de trouver la voie des marques, de la charter pour qu'elle puisse ensuite être déclinée par quiconque au sein d'une entreprise. Et de manière plus générale, c'est tout ce qui va graviter autour de l'impact. D'où le sujet du jour sur la quantité de prise de parole, le côté verbeux versus le fait de ne plus parler, mais de commencer à être entendu. Et pour ma part, je suis community manager senior. Donc moi, je m'occupe plutôt de la partie à la fois stratégique, donc mettre en place selon le besoin la stratégie sur les réseaux sociaux et après de l'appliquer. Donc créer les contenus, faire vivre un peu les comptes. Voilà, l'idée, c'est un peu de faire vivre du coup un peu la marque sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va s'efforcer d'être le plus opérationnel possible. On sait que c'est un peu ce que vous venez chercher, des bonnes pratiques. Donc, on va entrouvrir un certain nombre de portes pendant la demi-heure à venir. Et on a classé notre présentation en 5-6 items comme ça. Le premier, parlez moins, dites le mieux en choisissant le bon endroit. Et le bon endroit, donc, il faut un peu considérer les réseaux sociaux comme un grand village où chaque plateforme a vraiment son utilité. Donc dans les plateformes où on appelle ça un petit peu la place du village, on retrouve du coup Facebook et YouTube. C'est un peu l'endroit où on va converser, c'est l'endroit où il peut y avoir de l'échange, où les contenus sont assez variés, on s'adresse à pas mal de populations assez différentes. Dans la deuxième, on a les lieux un peu trendy, c'est tout ce qui est un peu plus axé sur l'image, donc ce qui est Pinterest ou Instagram, des choses qui sont plus dans la séduction. On est moins dans le dialogue. Le quartier des affaires où on joue un petit rôle, c'est du coup LinkedIn. Et les lieux un peu plus insolites où on va justement tester de nouvelles choses, des nouvelles expériences, ça va être les plateformes comme TikTok, où là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, qui se cherche aussi un petit peu. Il y a pas mal de choses assez différentes dessus. On tombe à la fois sur des contenus qui sont très, très authentiques ou alors des contenus qui sont assez simples, que ce soit de la danse ou quoi. Ça, c'est pour le côté utilisateur, mais le côté marque essaie justement un peu de prendre ces codes-là et de les appliquer à la marque. Donc c'est un peu plus compliqué, puisque en plus c'est de la vidéo, donc c'est une autre manière de faire encore, qui est un peu plus lourde aussi en production. Mais c'est l'endroit un petit peu, c'est un peu le laboratoire d'expérience, quoi. Avec, je rebondis Marin, ces derniers temps, une grande problématique sur l'attribution, c'est-à-dire les vidéos qui sont assez peu brandées, mais qu'on réussit à associer à une marque. C'est ce qui tend à fonctionner le plus, le côté authentique où la marque vient un peu se greffer l'air de rien, comme par hasard. Bon, c'est très bien que non, mais en tout cas, c'est ce qui tend à avoir de plus en plus sur TikTok.
Là, on vous a placé en gros les durées de vie des posts par plateforme. Donc ça va assez vite. Donc TikTok, c'est de l'instantané, c'est-à-dire que le contenu qu'on voit, on le revoit jamais. Souvent, il est perdu dans l'algorithme. Donc c'est vraiment une vidéo qu'on voit une fois, c'est du one shot. Sur Snapchat, sur l'utilisation, on est plus dans... ça va juste de quelques minutes à quelques heures. Sur Twitter, du coup, on est sur des minutes aussi, ça va très vite. Les contenus sont assez rapides à encaisser. Enfin, ça va assez vite sur la plateforme. Chaque fois qu'il y a un tweet, il y en a un autre derrière qui va reprendre la place. Donc ça cannibalise un petit peu, donc c'est pour ça que le temps est très court. Facebook, on est plus sur du 5 heures, donc là, on commence à prendre un peu plus d'espace. Instagram sur des 21 heures, après LinkedIn 24 heures. Et après, les grosses plateformes où là, on parle en termes de jours, c'est YouTube et Pinterest. YouTube, ça va être du 20 jours, puisque forcément, il va y avoir tout le travail de l'algorithme avec les suggestions de vidéos, etc., qui va travailler. La publication en tant que telle, c'est une première phase, mais il y a toujours cette phase-là où, justement, il y a la suggestion. Et après, Pinterest, c'est vraiment pour travailler du contenu froid. C'est-à-dire que là, on va pas être un lieu sur travailler les tendances, sur ce qui sort, etc. C'est plus pour prendre de l'espace, c'est plus pour communiquer d'une autre encore manière. Mais voilà, dans l'idée, ça se découpe comme ça. Sur TikTok, du coup, on en a un petit peu parlé, mais l'idée, c'est vraiment avoir de la vie quotidienne et de l'authenticité. Et à travers ça, c'est surtout voir de l'humain. Donc là, j'ai mis quelques exemples, notamment McDo et Burger King, où ils sont très très forts là-dessus, c'est-à-dire qu'ils interprètent bien la plateforme, ils l'utilisent aussi très bien, donc ça va être des contenus qui vont parler aux gens qui sont sur la plateforme, justement, comme disait Roman, en trouvant justement le juste équilibre entre les codes de la plateforme et leur marque. Donc trouver vraiment cet angle-là, c'est difficile à trouver. Après, Burger King sont très forts sur tous les réseaux et ils le montrent encore sur TikTok. Et McDo aussi, pareil, c'est des contenus qui sont assez intelligents et bien faits aussi. Instagram, donc encore une fois, là, c'est plus sur de la séduction. Là, on le voit très bien. J'ai pris trois exemples de marques assez différentes. J'aurais pu en mettre plus, mais l'idée, c'est de montrer un petit peu ce qui se fait sur la plateforme. Donc là, c'est trois images de feed. Donc le premier, c'est Ray-Ban. Le deuxième, c'est Nocibé, et le troisième, c'est BMW. Donc on voit bien que c'est vraiment de la photographie, que c'est très travaillé, qu'il y a un travail vraiment sur l'image, la direction artistique. Ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes sur la plateforme et qui prennent aussi de plus en plus de valeur. C'est-à-dire que si on va tomber sur un feed où il y a plein de contenus qui sont un peu dissociés, où il n'y a pas trop de cohérence, on va vite se perdre. Alors que là, on arrive à comprendre et à interpréter la marque directement via le visuel. Il y a Burger King, encore une fois, qui le fait très bien, où c'est carrément identifié sur de la couleur et même sur des typos. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi, je ne l'ai pas mis là. Mais sur le côté feed, il y a aussi pas mal de... ce côté travail, direction artistique, quoi. Ensuite, Facebook, là, on est vraiment sur la conversation. C'est là où on va avoir justement le côté groupe et le côté commentaire qui est vraiment de plus en plus important. Après, évidemment, Facebook est toujours là. Il y a quand même pas mal de gens qui sont encore sur la plateforme. C'est d'ailleurs la plateforme la plus active en termes d'utilisateurs. On est à plus de 2 milliards et il y a TikTok qui vient juste après où on est à 2 milliards, un petit peu en dessous. Mais ça reste quand même la plateforme qui a le plus d'audience et le plus d'utilisateurs mensuels. Et c'est vraiment là où on va travailler justement le côté fédération, communauté. On va interagir avec les gens, on va poser des questions. C'est vraiment ce lieu-là sur lequel on travaille tout ça. Ensuite, on a Twitter, où là, c'est vraiment, encore une fois, l'instantané. On va plus rebondir sur les tendances. Ça, c'est des choses auxquelles on va discuter un petit peu après. Mais l'idée, c'est vraiment de rebondir un petit peu là-dessus. C'est de s'approprier aussi le réseau de cette manière-là, puisqu'il s'utilise comme ça. Ça va assez vite. C'est un peu de l'info journalistique. Dès qu'on voit quelque chose, on le perd après directement dans le feed. Mais voilà, l'idée, c'est de rebondir un petit peu sur ces sujets-là, que ça soit avec des hashtags ou juste des mots. Là, souvent, avant, c'était beaucoup utilisé avec des hashtags. Maintenant, c'est carrément des mots en fait qui rejaillissent justement sur les recherches. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi à l'agence sur nos clients. Et après, donc toutes les autres plateformes, YouTube et Twitch, c'est un petit peu la télé. C'est devenu un peu ça. Pinterest, encore une fois, pour travailler le côté contenu froid, et Snapchat, où là, c'est vraiment s'immiscer un petit peu dans l'utilisation, où on va avoir pas mal de contenus qui sont assez un peu à la TikTok, qui sont assez rapides. On va les consommer assez rapidement. Et voilà. Deuxième item, parlez moins, dites le mieux, en sachant à qui vous adressez, forcément.
Ça commence par toute une partie de social listening. Stalkwalker est un outil comme il en existe d'autres, mais le social listening, du coup, c'est un gros morceau de veille qui peut être stratégique, qui peut être sur les réputations de la marque de l'entreprise, concurrentiel sur le marché, les tendances, est également nécessaire pour la gestion de crise. Bref, autant d'aspects où il est essentiel de recueillir de l'information, de l'avoir digérée pour pouvoir être agile, être réactif. Et c'est un feedback dont vraiment on ne devrait pas se passer parce que ça alimente ensuite excessivement de choses, notamment la construction des personas. Les personas, c'est une sorte de case, de portrait robot d'un client, d'une cible de communication, hein, pas forcément un client ou un consommateur. Des personas, une entreprise peut en avoir 2, 3, 5 plus. En général, ça perd son sens. C'est un juste mélange entre, du coup, grossir le trait, parce qu'il faut forcément pouvoir faire rentrer dans ces sortes de cases l'immensité, parfois, d'une clientèle ou d'une communauté. Donc, il faut, en cette mesure-là, grossir le trait, mais aussi être suffisamment fin, en particulier dans le storytelling et dans la traduction de la partie data récoltée juste avant, pour, avec cette traduction, savoir justement comment parler à la personne. Il ne s'agit pas de lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, mais de trouver les bons boutons émotionnels sur lesquels appuyer, comprendre ses comportements pour savoir à quel endroit elle est, à quel moment, à quoi est-ce qu'elle est sensible, qu'est-ce qu'elle consomme au-delà de... Voilà, donc chez Tribu, on a l'habitude de les faire à peu près comme ça, avec une partie storytelling qui peut sembler un peu de l'habillage, mais qui est quand même bien nécessaire. Là, en l'occurrence, sur ce personnage-là, j'avais imaginé potentiellement les requêtes Google pour penser également à toute la brique SEO derrière, qui est on ne peut plus importante. Le côté challenge, objectif, ce que la personne attend, ce qui peut la freiner, ou ce à quoi elle est sensible en termes de discours. Voilà, c'est très différent. Également comprendre à qui on parle par la conversation. Donc ça tient en trois choses. D'abord, la créer, c'est-à-dire il ne s'agit pas de poser la question « et vous ?» à la fin d'un wording, d'un post sur les réseaux. Il faut véritablement penser à une marge de manœuvre qui soit bien plus conséquente au moment de la rédaction même des posts, pour pas que ce soit déclaratif et descendant. Une fois qu'on a créé la conversation, il s'agit aussi de l'entretenir, c'est-à-dire valoriser l'effort qu'a fait la personne en likant, en commentant, si elle a envoyé un DM, qui est une preuve d'engagement encore supérieure. Ça, c'est ce qu'on apprécie beaucoup chez certaines marques, c'est s'immiscer dans les conversations. Donc là, c'est littéralement popper, ramener sa fraise, hein, disons les choses comme elles sont, là où on ne vous attend pas, non pas pour surfer sur le succès de quelqu'un ou sur sa visibilité, mais pour faire un clin d'œil, pour ajouter un peu de connivence. Marin, je pense que tu veux nous parler de cette partie flunch que tu as faite. Ouais, alors Flunch, du coup, je travaille pour eux. On a fait toute la partie stratégie Twitter et on l'a fait, du coup, l'animation après derrière. L'idée, c'est vraiment de créer un petit peu ce côté un peu communautaire, de jouer avec la communauté, de leur poser des questions, etc. Donc là, j'ai mis deux exemples. Donc c'est le premier sondage, c'était un peu comme si c'était un message important, mais avec une question un petit peu bête ou qui parle vraiment à tout le monde, puisque c'est un peu les choses qu'on voit aussi quand les gens viennent chez Flunch. L'idée, c'est un peu, comme disait Roman, d'appuyer sur le bouton émotionnel. C'est quelque chose qui parle aux gens et qui va les intéresser. Et justement, le sondage a plutôt bien marché. On était à 14K de vues juste sur un tweet. Le deuxième exemple, c'est plutôt un appel du pied pour justement que les gens répondent à la question. Et après, c'est de rebondir dans les commentaires. Donc c'est en deux étapes. La première, c'est vraiment créer cette question-là. Et après, c'est de voir les réponses et d'y répondre et de recréer encore de l'interaction. L'idée, c'était vraiment ça. Donc voilà. Après, ça, c'est ce qu'on travaille aussi dans les chartes de Modé, où on est vraiment à certains niveaux. C'est soit le premier niveau, donc c'est créer, c'est juste répondre passivement aux commentaires qu'on a. L'entretenir, donc du coup, c'est plus sur la partie active, c'est on va aller chercher en fait le commentaire, on va aller poser des questions, on va aller s'immiscer aussi un petit peu ailleurs.
Et le dernier, c'est vraiment aller au-delà de la page. C'est, on ne reste plus sur nos commentaires à nous, mais on va aller un peu chercher les marques. C'est ce qui se fait beaucoup sur Twitter aussi. Encore une fois, cet exemple-là est parlant. C'est, on voit beaucoup d'échanges entre CM, par exemple N26, qui va faire un petit post sur la fin du mois, c'est dur. Et je sais pas, il y a un autre exemple, Burger King qui va répondre, en fait, on a des burgers à 3€, donc viens chez Burger King, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de rebondir sur des occasions comme ça. Les opportunités sont assez vaste et le terrain de jeu est aussi assez grand. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces trois phases-là, quoi. Yes. Ensuite, pour cadrer un petit peu les choses, donc là, c'est parler, dites le mieux, parler moins, dites le mieux, en créer le rendez-vous. Pourquoi le rendez-vous ? L'idée, c'est vraiment de cadrer ses prises de parole. L'idée, c'est de poser un cadre dans lequel on va un peu s'inscrire. C'est comme ça qu'on rédige nos plannings, par exemple pour les marques. Là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça va être par exemple le lundi sur un mois, ça va être la première thématique. Des thématiques, c'est un peu ce qu'on travaille aussi dans les stratégies, c'est-à-dire qu'en gros on va, en fonction du besoin, on va par exemple dire ce qu'on trouve intéressant chez le client, ce qui peut intéresser justement les gens auxquels les contenus vont être confrontés. L'idée c'est de travailler ces thématiques-là qu'on va répartir en fait de manière homogène sur le mois. Donc après, c'est de jouer un petit peu avec ces thématiques-là et donc piocher dans ces thématiques pour créer du contenu. Donc c'est plutôt en trois phases. Et après, il y a justement le côté un petit peu plus structurant où on va parler justement des prises de parole. L'idée, c'est pas de prendre la parole tous les jours. Comme on l'a vu, certaines plateformes, c'est pas forcément le cas. L'exemple de Combini, par exemple, qui poste toutes les heures, eux, après, ils s'en foutent un peu puisqu'ils ont quand même pas mal d'abonnés. Mais sur une marque qui vient de se lancer ou sur une marque qui peine à être visible, c'est pas forcément la bonne pratique. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de faire comprendre ça aussi. Donc parler moins, dites le mieux, c'est exactement ça. C'est vraiment cadrer les prises de parole et de se dire on parle moins, mais avec une prise de parole qui est plus qualitative aussi. Ensuite, sur la pensée agilité, donc on a un cadre, c'est très bien, mais il faut aussi en sortir. Évidemment, il y a des choses qu'on n'anticipe pas. Je pense aux tendances par exemple. L'idée c'est d'y rebondir. Donc encore une fois, un exemple de Burger King avec le tweet de McDonald's, c'est quoi ta meilleure excuse pour aller chez McDo ? Et ils répondent quand on est fermé. Donc c'est typiquement ce genre de réponse qui peut justement qui ne sont pas prévues dans les plannings, mais qui peuvent apporter beaucoup de visibilité. Et là la preuve en est, on est à plus de 5 millions sur un seul tweet, ce qui est assez énorme. Donc c'est juste une occasion de rebond, et encore une fois, ça c'est une opportunité créée par les concurrents, mais ça peut aussi se créer sur les tendances. Un autre exemple qui est en bas à droite, c'était la nomination de Charles pour le roi d'Angleterre, où justement une collègue a travaillé ça. C'était ce moment où tu regrettes d'avoir des vitres aussi propres car tout le monde te voit quand il était dans la calèche. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de se saisir un peu de ces choses qui sortent du planning, de ces thématiques qui sont bien structurées, et de justement venir nourrir un petit peu tout ça avec les tendances et ce qui va émerger, d'avoir des vrais rebonds, quoi. Ça, c'est vraiment travailler en duo. Et ce genre d'idées-là, on ne les trouve pas en scrollant les comptes des concurrents. C'est juste de l'éveil à l'actualité, à ce qui se passe autour, à plein de choses. C'est pour ça qu'il faut rester alerte et pas être trop le nez dans son secteur, dans des benchmarks, etc., mais plutôt se laisser porter par ce qui peut prêter à sourire. C'est ça. Attends, remonte vite fait. Et dans l'idée, quand on travaille aussi les benchmarks ou les audits, enfin surtout les benchmarks, c'est qu'on va pas chercher que les concurrents, on va aussi chercher ce qui se fait un peu ailleurs. Un exemple très bête, mais quand on veut cibler, par exemple, quand on a un besoin, enfin une demande d'un client un peu premium, sur un secteur d'activité, je dis n'importe quoi, le café ou une voiture, on va aller un petit peu chercher ce qui est un peu connexe par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cibler sur, par exemple, BMW, on ne va pas se cibler sur Audi, sur Ferrari, sur Lamborghini, on va aussi aller chercher tout ce que les gens qui achètent, par exemple, une BM, peuvent être intéressés. Par exemple, une bonne marque de café, de la Rolex ou des trucs comme ça. On essaie vraiment d'ouvrir au maximum pour avoir beaucoup de contenu et se nourrir aussi des idées qui peuvent être qui peuvent être faites un petit peu ailleurs. Et ensuite sur la partie plus algorithmique, donc là c'est vraiment pour avoir un côté utile, ouais touchy, mais en fait, l'idée, c'est de jouer un petit peu avec les formats. Dans l'algorithme, il aime bien ça, c'est-à-dire que si on va publier toujours la même chose, il va moins fonctionner, il va moins pousser les contenus.
L'idée, c'est de le nourrir justement avec ces formats qui sont un petit peu différenciants. Donc là, j'ai mis des exemples de vidéos parce que c'est ce qui prend le plus de place en ce moment et ce qui va prendre le plus de place aussi bientôt. On le voit sur TikTok qui prend énormément de place et qui n'arrête pas de monter. On voit aussi les plateformes qui deviennent un petit peu mainstream, entre guillemets, avec Instagram qui copie justement, qui copie TikTok avec des Reels. Encore une fois, ils ont fait marche arrière il n'y a pas si longtemps que ça, où ils se sont fait un peu straquer parce que les gens voulaient continuer de voir un petit peu que les photos ou des choses assez simples de leurs amis. Et ils se sont dit, mais en fait, comme il y a eu pas mal de gens qui ont contesté ça, ils ont fait un peu marche arrière, ils ont dit, ok, bon, bah, la vidéo, on va mettre un peu lever le pied. Mais c'est quand même à terme un format qui va être de plus en plus important aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de jouer un petit peu avec tous ces formats-là, le carrousel, le poste fixe, la vidéo, pour que justement l'algorithme y soit nourri et qu'il puisse justement montrer que la page est active et qu'il puisse pousser ça de manière un peu plus visible. Après avoir créé le rendez-vous, il faut aussi évidemment être identifiable, de deux façons, identifiable dans le tone of voice et identifiable visuellement. Visuellement, toute une partie évidemment de direction artistique, de charte graphique pour attirer l'attention, pour que le post émerge dans un feed et qu'on sache directement l'attribuer, on y revient, à une marque. Et aussi pour avoir de la cohérence au fil du temps. Forcément, quand une règle est écrite, on le voit pour la loi et le code civil napoléonien, par exemple, on continue de la respecter parce qu'elle est écrite quelque part et c'est un peu du bon sens, mais il en va de même pour l'identité graphique et l'identité éditoriale. L'identité éditoriale, si je fais un résumé, c'est un peu la patte d'une marque, le tour de force qu'elle réussit d'être identifiable sans parfois avoir besoin de logo, de couleur, de quoi que ce soit. On a tous déjà vu, je pense, des prints de chez McDo où il n'y a même pas le logo, il n'y a même pas le nom de marque et pourtant, bingo, on sait que c'est McDo. Donc là, je vous ai mis très narcissiquement un de mes posts pour vous montrer un peu. C'est pas l'application d'une charte éditoriale. Évidemment, je n'ai pas de personal branding ni de charte éditoriale, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça vit une charte éditoriale, sur quoi ça repose. Et du coup, c'est un peu comme ça. J'imagine que vous avez fait la lecture tout en m'écoutant parler. Des accroches fortes, des petits moments un peu de connivence où on va chercher à faire sourire la personne. Moi, j'aime beaucoup ça. Bon, heureusement, c'est mon métier. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est de soigner l'accroche et la chute. C'est un peu comme ça pour beaucoup de choses. On retient le début, on retient la fin. On retient rarement ce qui s'est passé entre deux. Donc, l'accroche, il y a mille façons d'en faire. Là, c'était celle-ci. Le poste, vous voyez, a bien performé. Mais ça aurait pu en être une autre. Pareil pour la chute, il s'agit surtout de penser aussi à ce qui nous retiendrait, nous, dans un feed, en scrollant les fameux 150 mètres de contenu. Et encore une fois, le ton de voix, il est aussi utilisé sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais prendre l'exemple de Burger King, mais parce qu'ils sont très forts. Ils le font très très bien, ils ont leur tone of voice, mais qu'ils appliquent sur Twitter, par exemple, d'une manière où ils vont l'appliquer autrement sur TikTok, vu que c'est pas les mêmes plateformes et c'est pas les mêmes contenus non plus. Mais dans le tone of voice, on saura que c'est Burger King, dans tous les cas. Et toutes les marques sont légitimes à avoir un tone of voice. Il s'agit pas d'être une marque extrêmement sexy, type love brand, etc. C'est juste une marque, une entreprise, comme tout être humain, en final, à sa propre façon de s'exprimer. Et du coup, le dernier item, c'est parlez moins, dites le mieux, en laissant parfois des prescripteurs parler à votre place. L'idée, c'est, on a vu tout ce qui était cadre structurant sur les thématiques, les prises de parole en tant que marque. Mais ce qui est aussi intéressant à travailler, c'est de faire parler de sa marque, que les gens parlent de la marque. Donc il y a trois grands axes. Il y a l'influence, c'est le plus connu, mais il n'y a pas que des bonnes pratiques. C'est ce qui coûte le plus cher aussi. Là, il y a un petit schéma pour vous donner un petit peu l'idée de comment c'est répertorié, mais en gros,
Le nano, il est à peu près à 5K à peu près de followers. La grosse star, elle est à plus d'un million. L'idée pour être visible, bah, c'est d'aller chercher les grosses stars, sauf que ça coûte très cher. Et dans l'engagement aussi, on va moins en avoir. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, vendre un produit qui est vraiment spécifique, on va plus s'orienter sur des micros ou des nano-influenceurs, puisqu'ils ont une plus petite communauté qui sera plus engagée et plus à même de convertir. Donc ça, c'est des choses qui sont logiques. Plus on touche de monde, moins il y aura de conversion. Mais voilà, l'idée, c'est de l'utiliser à bon escient et sur des bons leviers. Il y a deux façons de l'utiliser. C'est soit identifier des ambassadeurs, donc qui viendront prendre la parole sur toute l'année, sur des temps forts, par exemple, des opérations qui peuvent être faites comme ça, ou alors sur du one shot où il y a une grosse OP qui va être lancée, et c'est de faire appel à plusieurs influenceurs et de les utiliser justement pour faire une grosse campagne à ce moment-là, à un instant T. Ensuite, il y a l'UGC, ça c'est très très important puisque c'est en fait les gens qui parlent de votre marque. C'est sans qu'on leur demande parfois. Voilà, c'est ça. C'est souvent sans qu'on leur demande même. Donc c'est un petit peu le bouche-à-oreille 3.0. Ça sert vraiment d'indice de confiance. Quelques stats, c'est 50% des consommateurs estiment que les contenus produits par les marques sont vraiment authentiques. Donc c'est un poste sur deux, ce qui est très très faible. Mais justement, quand il y a les gens qui vont parler de la marque, ça va un peu prendre plus de confiance. Donc l'autre stat le montre très bien, c'est 8 consommateurs sur 10 indiquent que l'UGC impacte fortement leur décision d'achat. Et 88% consultent des avis produits avant d'acheter. On le fait tous, on l'a certainement déjà fait une fois dans la salle. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des retours d'expérience d'utilisateurs pour justement avoir confiance ou pas en la marque. Donc plus on est transparent aussi par rapport à ça, et moins il y aura de méfiance. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler ça. Et là, deux exemples concrets. Il y a Starbucks qui relaie souvent des photos de gens qui postent en fait avec un bucket Starbucks. Et qui vont le mettre sur les réseaux sociaux, et eux, ils vont relayer ça. Donc l'idée, c'est vraiment de le mettre en avant pour montrer aussi que la communauté, elle est considérée, et que y a un cercle vertueux qui se forme, en fait. La marque voit que les gens participent, elle met en avant les gens qui participent, et les gens ont encore plus envie de participer. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et l'autre exemple, c'est carrément des marques qu'on choisit l'UGC comme moyen de communication. Donc là, l'exemple qui est mis, c'est GoPro. Il y a aussi Red Bull qui fait ça, où en fait, ils ne créent même plus du contenu, c'est les gens qui le font pour eux. UGC qui est une stratégie assez intéressante pour produire du contenu à moindre coût, mais une stratégie tout de même. Il ne s'agit pas de dire dans sa bio Insta, partager du contenu avec le hashtag truc. Dans le cas de Starbucks, justement, je rebondis là-dessus, je suis étonnée que tu ne l'avais pas dit, mais Starbucks a une stratégie très fine. Si vous avez déjà pris un café, vous avez peut-être été victime d'un nom écorché. Bon, théorie du complot ou pas, je pense pas, mais il paraîtrait que voilà, ils font exprès d'écorcher un peu les noms parce que du coup, c'est rigolo, on fait une photo, on la relaie. Et voilà, ils n'ont rien demandé à personne. Et pourtant, les contenus comme ça sont de plus en plus nombreux sur les réseaux. Et deuxième chose que je souhaitais ajouter, c'est que l'UGC peut être du coup de toute nature. Ça peut être un avis textuel, donc avis vérifié, le plus classique. Ça peut être une photo, ça peut être de la vidéo, ça peut aussi être une note vocale. On pense à Picard qui vient de lancer, c'est plus extrêmement récent, mais en lançant un peu sa nouvelle plateforme de marque et surtout son nouveau programme Fidélité, ils ont lancé l'avis audio, où ensuite, derrière, c'est une IA qui se charge un peu de dactylographier la chose et de la mettre à disposition, de la remettre en forme, etc. Mais l'UGC peut être comme ça, aussi spontané qu'une note audio, un peu la bouche pleine à la Picard. Pardon, UGC, c'est pour User Generated Content, donc du contenu créé par les usagers, les clients, les consommateurs. Et le dernier point, c'est l'employé advocacy. L'idée, c'est en fait, encore une fois, que la marque ne parle pas à sa place, c'est que les gens vont le faire pour eux. Là, c'est une autre catégorie de personnes, c'est plus les utilisateurs, c'est carrément les gens de l'entreprise, donc les collaborateurs. Donc là, un exemple très concret avec le nouveau Tribu qui s'est lancé il y a peu de temps, avec justement notre manager Margot Legout qui a fait un post justement pour relayer cette annonce-là.
Et l'idée, c'est vraiment d'augmenter un petit peu l'audience, vu qu'évidemment, elle va toucher des gens que Tribune ne va pas toucher de manière générale. C'est de crédibiliser aussi un peu les messages. Évidemment, comme les gens en parlent, ça a plus de valeur et moins de méfiance, comme on l'a vu avec les UGC. C'est exactement le même système. Ça facilite aussi la maîtrise de l'image de marque. Évidemment, elle est maîtrisée par les collaborateurs. Ce n'est pas des clients qui ne savent pas de quoi ils parlent qui vont poster ça sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé. Et ensuite, c'est créer une culture digitale de l'entreprise où justement il fait bon vivre et c'est la marque employeur. C'est la marque employeur, tout simplement. Ouais. Voilà. Et c'est tout pour nous. On tient le timing montre en main. on serait ravis de répondre à vos questions si jamais il y en a, une ou deux maintenant. Ensuite, on sera dans notre stand juste en bas. Oui. Merci pour votre petite conférence. J'avais une question par rapport au générer du contenu. C'est bien en B2C, ça me semble quand même plus compliqué. La partie production de contenu ou la partie UGC? Les deux, en fait. J'ai l'impression que là, c'est plus axé quand même B2C que B2B. Le contenu, je trouve ça quand même compliqué à générer en termes de B2B. Alors pour ce qui est de l'UGC, oui c'est évident parce que l'UGC du coup c'est vraiment le fait de partager spontanément suite à un acte d'achat, de consommation, si c'est le cas d'un service. Donc effectivement dans le cas du B2B, il y a plus comme ça le secret sur des relations de fournisseurs, de partenaires, donc c'est différent. Mais la production de contenu, nous on en fait sans problème. C'est sûr que c'est un tout autre angle. Et que ça se conçoit différemment dès la stratégie social media, dès les territoires d'expression. C'est ça. En gros, l'idée, c'est on s'adresse pas évidemment aux consommateurs comme aux pros avec qui on veut être partenaire. Donc l'idée, c'est comme disait Roman, de travailler la stratégie qui est bien en amont et après de le développer. Mais l'idée, on a toujours ces problématiques-là. Certains clients viennent nous voir justement pour nous dire comment on fait. C'est travailler un autre type de contenu. Mais ça, oui, du coup, on le fait à l'agence. Ouais. Ça m'a l'air tout bon. J'espère qu'on a été clair. J'espère qu'on a été suffisamment opérationnel, concret et pratico-pratique. Une demi-heure, c'est court, mais vous savez où nous trouver. Forcément, on a plein de comptes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous contacter aussi simplement qu'un DM si vous le souhaitez. Et puis, on sera encore quelques minutes juste en bas, là, au stand Tribu. Merci beaucoup de votre attention. Merci.